suis ici à la manifestation pour le climat, cette grève pour le climat, beaucoup de jeunes autour de nous et on est en même temps à 2 jours de ces élections européennes. Nous, nous portons une conviction simple, c'est que si nous voulons relever le défi climatique, il faut sortir de ces logiques libérales qui consistent à produire tout n'importe quoi dans n'importe quelle condition sociale et environnementale. C'est l'une des grandes questions que nous posons à l'occasion de ces élections européennes avec notre liste pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent, avec l'idée de mettre l'humain et la planète d'abord. D'abord, c'est-à-dire avant le profit, avant la loi de l'argent. Deux propositions simples. La première, un grand plan pour la rénovation énergétique des bâtiments. Ça permet de faire coup double. Premièrement, de diminuer la pollution. Deuxièmement, d'améliorer le pouvoir d'achat des familles modestes qui payent moins de charges. Deuxième proposition clé que nous portons, nous sommes favorables à ce qu'on double la part des marchandises qui circulent par le train plutôt que par camion. Le camion, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Voilà deux propositions concrètes qui visent à relever le défi climatique en Europe.